Bonjour et bienvenue sur la deuxième partie du thème de droit économie sur le contrat de travail, le droit du travail, le marché du travail et le chômage. Dans cette deuxième partie, comme promis, on va parler des libertés individuelles et collectives des salariés. Le salarié, pendant son temps de travail, il garde le bénéfice de ses libertés individuelles. L'employeur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Donc nous, tout d'abord, on va parler des libertés individuelles. On va parler de deux libertés, le respect de la vie privée du salarié et la liberté d'expression du salarié. Alors, la première liberté individuelle, comme dit, le respect de la vie personnelle du salarié. Le principe de base, c'est la vie privée d'une personne, c'est tout ce qui se rattache à la personne elle-même et qu'elle est en droit de ne pas diffuser. Le lien, c'est l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. La jurisprudence, de son côté, elle a estimé que ce respect devait être étendu même sur le lieu de travail du salarié. Elle concerne la vie personnelle, origine, vie sentimentale, conjugale, familiale, engagement, etc. et la correspondance, c'est-à-dire les lettres, les mails, les textos. De base, l'employeur peut limiter cette liberté, plutôt ce respect de la vie privée, dans le respect du code de travail, du travail, pardon. L'article L 1121-1 du Code du travail dit: Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. C'est ce que j'ai dit juste avant en introduction. Ce qui fait que l'employeur peut limiter les libertés si la limitation est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnelle au but recherché. À force de le répéter, vous allez le retenir. Cette possibilité se retrouve dans l'installation, par exemple, de systèmes de surveillance électrique. Les salariés doivent être prévenus de la mise en place de ce système et de ses objectifs, ou même dans le cas de l'imposition d'une tenue de travail. Il faut aussi savoir que tout document dans l'entreprise est présumé professionnel, sauf si le salarié y porte la mention personnel. À partir de là, c'est considéré comme étant personnel, l'employeur n'a pas à venir fouiller dedans. Voilà pour le respect de la vie personnelle du salarié. Passons maintenant à la liberté d'expression du salarié. Le salarié jouit aussi dans l'entreprise de sa liberté d'expression, qui est limitée par une notion, la notion d'usage abusif. Quand on parle d'usage abusif, c'est-à-dire le salarié peut exprimer librement ses opinions sur les conditions d'exercice et d'organisation du travail. Il peut contester par écrit l'avertissement dont il fait l'objet et qu'il considère injustifié. Il peut critiquer l'entreprise sur un lieu privé hors de la présence de la direction. Il peut alerter l'inspection du travail sur des événements anormaux, enfin qu'il juge anormaux. Il peut porter plainte contre l'employeur, sauf en cas d'abus. Il peut signer une pétition portant sur une demande de personnel supplémentaire, etc. Par exemple. Mais des exemples d'abus, ce serait un manquement à l'obligation de loyauté, de fidélité et de discrétion. Vous avez déjà des infos ici sur la diapo. La diffamation, les injures, les fausses nouvelles, les propos excessifs tenus publiquement ou dans la presse. En fait, en général, le salarié peut s'exprimer librement, mais il ne peut pas abuser de cette liberté. Le problème, c'est que l'abus est assez difficile à cerner, mais s'il est déclaré, il peut justifier un licenciement. Il y a donc trois obligations, on en a vite fait parler avant dans les abus, qui montrent à quel point la liberté peut être restreinte au niveau de la liberté d'expression du salarié. Il y a par exemple l'obligation de loyauté. On ne peut pas commettre d'infraction pénale envers l'employeur. C'est interdit. C'est pas loyal, justement. Une obligation de fidélité. On ne peut pas nuire à la réputation ou au fonctionnement de la société. On doit être fidèle à la société qui nous emploie. Et enfin, une obligation de discrétion. On ne doit pas révéler des informations sur le fonctionnement de l'entreprise. De façon générale, ce sont vraiment ces trois obligations qui limitent la liberté d'expression du salarié. Si l'une de ces obligations est transgressée, on peut légitimement considérer qu'il y a usage abusif de la liberté d'expression. Voilà donc pour nos libertés individuelles. On a étudié le respect de la vie personnelle du salarié et la liberté d'expression du salarié. On peut passer maintenant aux libertés collectives. On va étudier le droit d'expression collective et ensuite le droit de grève. Pour commencer, le droit d'expression collective. Article L 2281-1 du Code du travail, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Le temps consacré à l'expression est rémunéré, comme du temps de travail. Il signifie que les salariés ont le droit de s'exprimer à plusieurs sur le contenu des conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. L'objectif de l'expression collective est de définir les actions pour améliorer les conditions de travail, l'organisation de l'activité, la quantité, la qualité de la production. L'utilisation de ce droit se fait sur les lieux et pendant le temps de travail et il ne doit pas exposer aux sanctions. Voilà pour le droit d'expression collective des salariés. On va pouvoir maintenant passer à la suite au droit de grève. Le droit de grève, lui, c'est un droit constitutionnel. Il est reconnu à tout salarié d'une entreprise. La grève, de son côté, elle est définie comme étant la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Pour qu'une grève soit licite, il faut qu'il y ait trois conditions. Il faut qu'il y ait un arrêt total du travail des grévistes, une concertation des salariés et des revendications professionnelles. Si ces conditions ne sont pas réunies, le mouvement est considéré comme illicite et abusif. Le salarié qui participe n'est alors pas protégé par le droit de grève. Il risque une sanction disciplinaire et peut être licencié. Parmi les mouvements abusifs, on retrouve par exemple les blocages qui empêchent les salariés non grévistes de travailler, les grèves perlées, c'est-à-dire le travail mais au ralenti, etc. Les conséquences de la grève pour le salarié et l'employeur, déjà le contrat de travail est suspendu. Pendant la période de grève, le contrat de travail est suspendu. Le salarié gréviste ne doit pas subir de sanctions en raison de l'exercice de ce droit et évidemment pas de salaire versé au gréviste durant la période de cessation de travail. C'est normal, le salarié ne travaille pas, il ne perçoit donc pas de salaire. Voilà pour les libertés collectives maintenant. On a donc vu le droit d'expression collective très rapidement et on a étudié le droit de grève et qu'est-ce qui fait qu'il est licite. Il nous reste une dernière partie sur la protection des libertés des salariés et comment justement ces libertés dont on vient de parler sont protégées. Voilà donc la dernière partie. Le syndicat et le délégué syndical. Le délégué syndical, lui, c'est un représentant du personnel, mais qui est désigné par un syndicat représentatif dans l'entreprise. Alors, la représentativité des syndicats, c'est pas au programme, c'est assez compliqué, on n'étudiera pas. Mais en tout cas, c'est par ce délégué syndical que le syndicat fait connaître à l'employeur ses réclamations, revendications, propositions et qu'il négocie les accords d'entreprise. Le délégué syndical, il a donc pour rôle de défendre les droits des salariés, ces salariés qui ont ce qu'on appelle une liberté syndicale, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir ou non d'adhérer ou quitter un syndicat. Et tous les salariés, syndiqués ou non, peuvent bénéficier des nouveaux droits négociés par les délégués syndicaux et qui sont donc insérés dans des accords d'entreprise. Les partenaires sociaux, c'est-à-dire les délégués syndicaux et l'employeur, ils négocient régulièrement sur les sujets suivants: les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, le handicap, etc. Cette négociation régulière est obligatoire. Elle permet de créer des conventions, des accords collectifs. L'employeur et les syndicats peuvent également à tout moment, en dehors de ces négociations obligatoires, négocier sur des thèmes qu'ils choisissent afin de formuler ce qu'on appelle un accord collectif d'entreprise. Ce que c'est ça? C'est un texte qui est négocié et signé entre la direction et les représentants des salariés, et qui a pour objectif d'adapter les règles générales du Code du travail aux besoins spécifiques de l'entreprise. Il y a des règles générales qui sont fixées par le Code du travail, mais parfois ces règles ne peuvent pas correctement bien s'adapter à toutes les entreprises, à toutes les professions. C'est pour ça que cette négociation est utile, elle permet d'adapter les règles pour différentes entreprises ou différentes professions. Voilà pour le syndicat, le délégué syndical et la négociation collective en règle générale. Il nous reste un dernier point, le cas du comité social et économique qu'on appelle CSE. C'est l'instance de représentation du personnel dans l'entreprise. Elle doit être mise en place dans toutes les entreprises qui ont plus de 10 salariés, donc à partir de 11 salariés. Les membres du CSE sont élus, pardon, par les salariés de l'entreprise pour une durée maximale de 4 ans. Le CSE, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est informé, consulté par l'employeur sur différentes thématiques. Il peut également émettre des vœux ou des propositions et porter les réclamations des salariés. Ses compétences, sa composition, son fonctionnement varient selon la taille de l'entreprise. Comme j'ai déjà dit, ce n'est pas au programme, vous l'étudierez très certainement dans vos études supérieures. Voilà pour cette deuxième vidéo, donc cette deuxième partie sur les libertés individuelles et collectives des salariés au travail, ce qui termine totalement
la partie juridique de notre thème sur le droit du travail et le marché du travail. Donc, encore une vidéo qui sera la prochaine sur l'économie. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et à la prochaine.